Toute la vie de Wagyu est en mouvement, hein, toute la vie de Wagyu est en ébullition. Et c'est là que vous savez que la situation du pays est vraiment préoccupante. Voilà, vous voyez la dernière situation, c'est celle des Thierry, hein, des FDS au niveau de Nata. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui a amené les gens à sortir plus nombreux. Les gens n'en peuvent plus, les gens sont fatigués, les gens en ont marre de cette insécurité-là qui existe depuis 2015. Depuis l'avènement du pouvoir MPP et allié au pouvoir. Donc je crois que c'est de bonne guerre que les gens sortent pour en tout cas interpeller les autorités au plus haut niveau, en tout cas de se penser sérieusement sur la situation sécuritaire, sur toute l'étendue du territoire et en particulier dans notre région et au niveau de notre province. Donc aujourd'hui quand on voit la posture de nos autorités aujourd'hui là, elles ne sont pas prêtes à résoudre nos problèmes. Donc je crois que c'est aux populations aujourd'hui de prendre la situation en main. Actuellement, on est dans des problèmes. Voilà, on veut quand même un changement dans tout ce qu'on a en train de faire. Voilà, nous, on n'a pas besoin de qui que ce soit n'a qu'à quitter le pouvoir. Nous, on veut un changement. C'est tout. Camarades, nous voulons que notre propre destin et puis laisser notre pays. Nous, on veut notre pays en paix. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La situation sécuritaire est très critique au Burkina Faso, en général, et dans la région du Nord en particulier. C'est pourquoi le mouvement Sauvons Kyateva, avec l'ensemble des fils et filles de la région du Nord, avec l'ensemble des pousses socio-professionnelles, avec un appui de la CCBC, on a décidé de donner de la voix ce matin à travers une masse meeting. L'objectif, c'est d'exprimer premièrement notre soutien à nos forces de défense et de sécurité, à nos VDP. C'est d'exprimer notre compassion à nos frères déplacés internes. J'ai interpellé et exigé de l'autorité l'amélioration des conditions de travail et de vie de nos forces de défense et de sécurité. C'est également la réalisation ou bien mener une opération d'envergure dans la région afin de prévoir sa libération. C'est également doter nos FDS là, notamment les détachements de Titao, de Sommet et de Bana en matériel conséquent afin qu'ils ne soient plus sur la défensive mais plutôt sur l'offensive. C'est également demander à ce qu'on puisse augmenter la capacité de production de notre Onéa. C'est également demander à ce qu'on dote notre CSUR de matériel conséquent pour qu'on puisse travailler normalement pour que les anges ne s'entendent plus dans les services d'urgence. Encore voici un peu décliner les objectifs de notre masseur ce matin. Le mouvement Sauvons Kyateva est très clair. Leur objectif, ce n'est pas demander le départ de qui que ce soit. Ce n'est pas demander la tête de quelqu'un. Nous avons dit clairement, c'est une marche en soutien à nos FDS, à nos VDP et l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc, une fois de plus, merci à toute la population qui nous a fait confiance. Merci. Même s'il y a eu quelques failles organisationnelles, on l'a même prédit,
raison pour laquelle la sécurité, nous avons fait appel même à la sécurité pour qu'ils puissent nous aider à sécuriser. Mais malgré tout, il y a eu un débordement. Mais Dieu merci, nous avons pu terminer cette marche-là sans qu'il y ait ni casse, sans qu'il puisse peut-être nuire à quelqu'un.